Marc-Antoine Lebret, l'invité télé matin. Lebret, Lebret. Bonjour. Lebret. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Vous serez à partir de demain et jusqu'au 18 février prochain au théâtre de Jazé pour votre nouveau spectacle qui s'appelle Solo. Puis vous serez en tournée dans toute la France. Alors solo sur scène, mais vous êtes combien dans votre tête, Marc-Antoine? Oula, dans ma tête, c'est beaucoup. Il y a 90 personnages sur scène. Ah ouais, c'est énorme. 90 imitations. Et comment vous faites pour passer d'une voix à l'autre instantanément? Parce que c'est. C'est un travail en fait, mais c'est vrai qu'au départ, c'était ce qui me différenciait aussi des autres imitateurs. J'enchaînais très vite les imitations. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, il y a Julien Courbet qui vient voir s'il y a bien 90 imitations. Ce n'est pas une arnaque. Voilà. C'est ça qui est dur dans le métier d'imitateur, c'est de passer de l'un à l'autre. Quel est le plus difficile? Ou c'est carrément de choper la voix? Passer de l'un à l'autre, c'est vrai que ça a pris plusieurs années. Au départ, je ne pouvais pas, au niveau du souffle, je ne pouvais pas enchaîner les imitations. Passer, par exemple, de Laurent Ruquier à Jean-Marie Bigard, tu vois, le matin, comme ça, tu vois. Donc, ce n'est pas facile. Et après, c'est une question d'entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau. Mm-hmm. Je compare la voix à un sportif de haut niveau. Il faut être régulier, s'entraîner et puis ménager sa voix. De ne pas boire, de ne pas fumer. Non, tout à fait. Vraiment? Mm-hmm. Non, c'est vrai. Ouais. Je fais ça. À part quand je fais Renault, bien entendu, je peux boire, je peux fumer. Et quand vous interprétez un personnage, vous êtes ce personnage ou pas? Vous êtes dans votre texte ou vous sentez Renault, vous sentez Julien Courbet, vous sentez Bigard? Quand je suis sur scène, effectivement, souvent, j'ai une image en tête. Mmh. J'essaye de reproduire l'image et de voir le personnage. C'est un petit peu bizarre, mais... Ouais. Est-ce que vous écoutez les voix de ceux que vous imitez avant de monter sur scène? Est-ce que vous avez besoin de vous remettre dans le bain de la voix? Non, je le fais de temps en temps, mais pas à chaque fois sur scène, sinon ça prendrait du temps, 90 imitations. 90 mais c'est vrai, et c'est vrai que de temps en temps, effectivement, je les réécoute parce que la voix peut évoluer. Ouais. Comment on travaille une voix? Un jour, vous dites, je sais pas, je vais faire Édouard Philippe. Comment vous la travaillez, cette voix? Combien de temps ça prend? Comment ça se passe? Alors, ça peut être très rapide. Je me souviens, quand j'avais trouvé Philippe Bouvard il y a plusieurs années, c'était venu d'un coup. Merci, bravo, à demain. Et parfois, ça peut prendre plus de temps. Par exemple, vous a demandé du boulot? Nagui. Nagui, au départ, je n'arrivais pas parce que je me cassais la voix, justement. Et après, avec les auteurs, on s'est rendu compte que finalement, Nagui, c'était un peu, en fait, au départ, un mélange de Raymond Domenech. Ouais. Et qu'en fait, si on ajuste la voix de Raymond Domenech et qu'on la monte dans les aigus, les médiums, et qu'on monte ensuite, et puis qu'on fait des petites intentions, c'est Nagui. Génial. Voilà, c'est génial. Thomas Soto, Julia Vignali, ciao. Génial. Il y a des voix impossibles. Est-ce que vraiment des voix, vous aimeriez imiter l'un d'entre eux, mais vous n'y parvenez pas? Ma mère. Encore. Non. Julia, vous pourriez l'imiter ou pas, par exemple? Non, Julia, j'ai pas réussi, puisqu'on a travaillé ensemble à la radio et j'ai essayé, mais non. Je peux pas imiter toutes les voix quand même. Thomas Soto, non, aussi, j'ai essayé aussi, pour l'instant, j'arrive pas. Cantelou, il a galéré tout le temps, il n'a jamais réussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des voix et c'est quand même pas facile. Ouais. On se met un petit avant-goût du spectacle quand même. Solo, extrait. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de talents emmenée par Didier Deschamps. Bonjour Olivier. Doucement, sur le sourire, Didier, vous faites encore plus peur que les tigres quand vous montrez vos dents. Comment vous sentez-vous depuis le décès de la reine Elisabeth II? Oh, je suis inconsolable. En plus, c'est terrible, la pauvre reine, ils l'ont trimballée dans sa boîte dans tout le Royaume-Uni, comme si c'était une pizza sur Deliveroo. Vous avez commandé une reine? Alors ce soir, vous avez tenu à inviter un jeune plein d'avenir. Sous vos applaudissements ce soir, Renaud! 2040, toujours vivant, toujours debout. Mes petites beautés, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ce soir, un gros dos, les chers. Amis aventuriers, c'est seulement le premier jour d'aventure et vous n'avez déjà plus de riz. François? Que s'est-il passé? Bonjour. L'actualité, vous baignez dedans, elle vous inspire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment allez-vous? Pardon de vous le dire, madame Vignali, mais il n'y aura pas de journée sans chasse. Oui, parce que vous voulez parler de la chasse. Oui. C'est ça, tout à fait. Cependant, c'est dur de chasser. C'est dur de savoir quel jour on est quand on est à 4 grammes. Je viens de rater ma vanne, parce que, effectivement, je vous ai coupé. Cependant, madame Vignali, nous réfléchissons à créer une contravention pour les chasseurs sous l'emprise de l'alcool. J'aimerais même lancer moi-même le permis de chasse à points. Un point de suture sur un jogger, une sucette. 5 points de suture, un porte-clés. Et si jamais le joker décède, là, on gagne carrément la grosse peluche. C'est étonnant, parce que le petit cheveu sur la langue... on a un coup de fil. Je crois que c'est monsieur Zidane qui nous appelle. Bonjour, Zinedine Zidane. Première réaction suite aux révélations de Noël Le Graët. Je crois que vous avez reçu de nombreux soutiens, Zinedine. Ouais. Bonjour. Mais c'est vrai que... Afin de... Sur...
c'est la moindre des choses. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné l'Euro, j'ai gagné la Champions League et Noël Le Graët, il a gagné l'élection municipale à Guingamp. Tu sais qu'il regarde beaucoup Télématin, Zinedine Zidane. Hein, vous allez avoir des problèmes avec lui. Bon, tiens, Laurent Delahousse, vous avez fait le buzz, hein, je crois, en recevant Pénélope Cruz ce matin. Cruz. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. Julia, avant de commencer, je tiens à vous dire que ce soit avec vous ou bien avec Pénélope Cruz, j'adore buzzer. Ne me remerciez pas, car grâce à ma présence, l'audience de votre matinale vient d'atteindre celle de mon 20h. Le septième ciel. Et oui, Laurent Delahousse, 37,2 le matin, c'est la température. 37,2 le machin, c'est la mesure. Oh. Très bien. Delahousse, oui. Soto, Delahousse, Soto, entre 20h et 8h, à en juger par nos visages, ça crée de jet lag. Merci, mon cher Laurent.